Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche jouira ta louange. Nous te louons, splendeur du Père Jésus-Christ Dieu. Nous te louons, splendeur du Père Jésus-Christ Dieu. Nous les crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer et celui qui l'a faite. Et les terres, elles sont petites. Entrez, venez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Lui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert. Oh, mon jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon espoir. Quand en leur génération m'a déçu, j'ai dit ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous te louons, splendeur du Père Jésus-Fils de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus, l'humble chemin de ta venue, guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. La mort n'a plus gardé sa croix, l'enfer vaincu s'ouvre à ta voix, l'amour triomphe par la croix. Alléluia, 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 alléluia. Voici la tombe décédée et ses témoins pour l'annoncer. Sont envoyés au monde entier. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom. Adieu le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, effacez mon péché. Lavez-moi tout entier de ma faute. Purifiez-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché.
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Merci, tu fais parler, montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur du sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que la neige. Plus que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu voyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Fais en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me cache pas, moi, de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi, reviens dans les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptais pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repoussais pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras le juste sacrifice, oblation et holocauste. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël, Sauveur. Alléluia. Vraiment, tu es un Dieu qui s'est caché, Dieu d'Israël sauveur. Ils ont tous humilié les honorés, ils sont beaucoup couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. Vous ne serez ni honte ni humilié pour la suite des siècles. Ainsi par le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la forme, lui qui a fermé. Il a créé nos peuples comme un lieu vide, il a fait de vous être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'ai parlé, je ne me cache pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui confère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez approcher tous. Survivant les nations, ils sont dans l'ignorance, ceux qui portent leurs idoles et des voix, et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, tenez conseil entre vous. Ils donnent la d'avance révélée, et jadis annoncée. N'est-ce pas moi, le Seigneur, ô moi, roi de Dieu. Et Dieu juste et sauveur, pas d'autre Dieu que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la
je le jure par moi-même. Et ma bouche est sur la justice, la parole est que rien n'arrête. Devant moi, toujours fléchira, où de l'homme en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront humilier tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et gloire pour la descendance d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Vraiment, tu es un Dieu d'agir, Dieu d'Israël, Sauveur. Alléluia. Louez le Seigneur dans la joie. Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans la l'allégresse. Venez allier avec des chants de joie. Félicite le Seigneur et Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, sans troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure et chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure à son âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles, amen. Alléluia. La parole de Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois du sépulcre. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le Sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham. Et nous rendre sans crainte. Afin que délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
Allons visiter la salle d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Pour conduire au pas au chemin de la paix. Moi, au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Jésus, notre berger, ta mort disperse le troupeau, ta résurrection le rassemble. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Tu laisses vide le tombeau, tu te montres vivant à ceux qui croient. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. La partie des apôtres enfermés, tu parais et les envoies jusqu'au bout du monde. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Sans toi, les pêcheurs du lac n'ont rien pris. Au matin, tu remplis leur filet. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Ta passion avait troublé leur cœur, mais tu leur dis, la paix soit avec vous. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Puissions-nous aujourd'hui réaliser ta volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Nous t'en prions, le Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qui nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Tantum ego sacramentum, venere genoi, et tanticum documentum, novo cenari tui, retet fide supplementum, sensum defectui. Genitori, genitore, laus et iubilation, salus honor virtus cofui, sit et benedictio, o gerentiamus cofui, en parsit audacio. Pane me celo presidis eis, omen tamen tum isse abete, oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans ces admirables sacrements, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Veux-nous le vénérer, laisser grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel.
Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Esprit Saint Paraclet. Béni soit l'Esprit Saint Paraclet. Béni soit l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Béni soit l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. Béni soit Marie Immaculée Conception. Béni soit Marie Immaculée Conception. Béni soit Marie dans son Assomption. Béni soit Marie dans son Assomption. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, le protecteur de l'Église. Béni soit Saint Joseph, le protecteur de l'Église. Béni soit Saint Joseph qui a nourri de son travail Jésus et Marie. Béni soit Saint Joseph qui a nourri du travail. Et son travail, Jésus et Marie. Béni soit Saint Joseph, l'époux de Marie. Béni soit Saint Joseph, l'époux de Marie. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Amen. Seigneur, rassemble-nous dans la fête, dans l'amour. Seigneur, rassemble-nous dans la fête, dans l'amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix et dans l'amour.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus le Christ, le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons pour le repos des âmes du Père Festus, l'abbé Hervé, du Père Gilles de la Lande, du Père Gianni Bouta. Nous prierons aussi pour le repos des âmes de Philippe Moabi, de Marie, de Madeleine, de Sadoc, de Soleil et de Bouganda, ainsi que pour toutes les âmes en purgatoire. Nous prierons aussi en ce jour anniversaire de naissance en action de grâce pour Philippe Matiaba, pour l'intention de Philomène, de Jean et de Nathalie et André. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, le Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal, que nous célébrons dans la joie, qui nous protège par sa force et nous apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabbas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leur main. Les apôtres et les anciens, aux frères issus des nations. Ils résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté sur vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul. Eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués
et ceux-ci descendirent alors en Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe et cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes dans tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nuits. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Yes. Bénissons le Seigneur qui nous rassemble, nous donne la force en nous tirant du lit de prendre notre smartphone et de nous connecter afin d'écouter la parole de Dieu, afin de penser au Seigneur, ou mieux de voir combien il est grand et beau que le Seigneur pense à nous, qu'il nous aime. Aussi le Christ Jésus nous invite-t-il. Nous déclare-t-il que nous sommes ses amis. Oui, tout ce qu'il a appris de son Père, il nous l'a fait connaître. Et cela jusqu'au prix de son sang, sur le bois de la croix. C'est l'amour grand que le Seigneur nous manifeste chaque jour. Et nous donne aujourd'hui un jour nouveau. Afin que nous puissions réaliser sa volonté. Et dans ce marcher ensemble, la liturgie nous présente à travers la première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, comment est-ce que, après le concile de Jérusalem, les apôtres sont allés en se laissant guider par l'Esprit du Seigneur pour porter l'Évangile. Pour apaiser les cœurs, pour réchauffer les cœurs, pour redonner au peuple le vivre dans l'espérance et le marcher ensemble. En ce moment où l'Église se donne de vivre le synode, à travers les diocèses, les paroisses,
Laissons-nous conduire par l'Esprit du Seigneur. Réalisons combien nous sommes frères les uns les autres. Et jusqu'à quel prix le Seigneur nous a rachetés. Mon nom, Seigneur, à grâce aujourd'hui et de ceux et de celles qui ne condamnent personne de leurs frères et de leurs sœurs, mais se donnent de tendre la main pour les relever. Se donnent de témoigner combien est grand l'amour que le Père nous manifeste. Demandons cette grâce, Seigneur, ce matin. Et disons merci au Seigneur de tout notre cœur pour tout l'amour grand qu'il a envers chacun d'entre nous. Je vous ai choisi pour être mes témoins, désormais vous êtes mes amis. Allez à la moisson des hommes. Je vous ai choisi pour être mes témoins, désormais vous êtes mes amis. Allez à la moisson des hommes. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre, du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Tu es béni. Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons. Fruit de la vie, du travail des hommes, il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés, jusqu'à en mourir, il nous a aimés, pour tous nos péchés, il nous a aimés, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice soit aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de l'Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire,
Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sans, sans, sans le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, je te prie. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, le rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et soutiens la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, supportés en cette Eucharistie. Pour tous ceux et toutes celles, nos souvenirs nous est présents en ce moment. Et Seigneur, les recevoir de ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Implorant ta bonté sur tous nos frères et sœurs qui te rendent grâce en ce jour. Attention de tous ceux et toutes celles qui prient avec nous, de manière physique ou virtuelle. Implorant ta bonté, Seigneur, afin que nous puissions nous laisser guider par ton esprit, comme le fit la première communauté chrétienne. Permet, comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et te gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
Maintenant que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne le garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons tes accomplices, donne-lui-tu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celine et Tare, Alléluia. Via Primero is Portare, Alléluia. Resurrexit, Sicurixit, Alléluia.
ora pro nobis Deum. Alleluia. Laudet lectare vitio Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Dieu, qui avait voulu réjouir le monde par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, faites, nous vous en supplions, que par sa Sainte Mère, la Vierge Marie, nous goûtions les joies de la vie éternelle. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.